Pour mes vacances, je suis parti en Australie. J'ai joué à Boomerang, ouais. C'est tout pareil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a envie d'y revenir. C'est pas ce que vous croyez. Boomerang, c'est un jeu de draft and write, donc assez original, créé par Scott Helms, le fameux, et qui a été illustré par Kerry Atkin. Ça se joue en environ 30 minutes pour des parties de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. C'est très simple, on va explorer l'Australie, faire des points et tenter de gagner comme ça. Je vous explique ça tout de suite. Boomerang, c'est un jeu de draft and write. C'est deux mécaniques qu'on ne trouve pas souvent ensemble. Et le draft, c'est un mot un peu compliqué, mais pour une mécanique qui finalement est assez simple et que vous connaissez déjà avec des jeux comme par exemple Seven Wonders. En fait, on va avoir une main de cartes, et parmi ces cartes-là, on va en sélectionner une avant de faire passer cette main aux autres joueurs qui vont tour à tour comme ça sélectionner leurs cartes. C'est très simple et c'est surtout ça qui va donner la richesse à ce jeu-là. Ensuite, l'objectif, il est aussi très simple, on va essayer de faire le plus de scores possible. Comment ? Ben en récupérant des cartes et en venant cocher des choses sur notre petit carnet de voyage qui est ici avec notre petit crayon pour ben du coup faire le plus haut score possible à travers 4 manches. Comment on fait ces points ? Eh bien en fait, la première carte qu'on va déjà récupérer, on va la mettre face cachée et on va utiliser sa valeur qui est en haut à gauche qui va définir en fait la valeur de retour. La dernière carte qu'on va récupérer à la fin d'un draft, ce qui va nous faire en gros 7 cartes devant nous, eh bien elle va nous permettre de faire une différence. C'est-à-dire que si j'ai posé face cachée un 6 et que la dernière carte que je récupère est un 1, il y a une différence de 5 entre ces deux valeurs entre ces deux cartes et je vais donc faire 5 points. Les autres façons de faire des points sont simples. Ça va être en collectionnant des icônes d'activité, des icônes d'animaux, puisque en fait, lorsque j'arrive à en faire des paires, je vais récupérer des points, et plein d'autres icônes comme ça qui vont toutes avoir leur petite spécificité pour marquer le plus de points possible. C'est très très simple, on a des cartes qui sont superbement illustrées, il y a un petit côté voyage quand même, et c'est des parties qui sont rapides, mais qui permettent aussi pas mal de stratégie et de contrôle par rapport à un roll and write classique où on va dépendre de ses dés, puisque le draft va en faire toute la richesse. Ça, c'est Boomerang. Il peut se passer en Australie, on a aussi Boomerang en Europe, on a Boomerang aux États-Unis. Et voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce jeu parce que c'est super bien. Pour mes vacances, je suis parti en Australie avec Boomerang. C'est tout pareil et c'est moins cher. C'est un petit jeu où on a envie d'y revenir. Non, c'était pas ça que j'avais.